Dans la nuit de mercredi à jeudi, plusieurs coups de fusil retentissent dans le quartier de Bagatelle. Des coups de feu visant un groupe situé dans la rue et qui auraient été tirés à partir d'une voiture. Deux des personnes du groupe ont été blessées, légèrement pour l'une, plus sérieusement pour l'autre. C'est la première fois qu'on a vraiment des blessés par arme de cette nature-là, identifiés, puisqu'il a pu y en avoir d'autres, mais qu'on n'a pas connu. Le degré de violence serait donc monté d'un cran. Pour autant, dans les quartiers, le phénomène des armes n'est pas une nouveauté. Il y a toujours eu des armes qui ont été exhibées ou qui ont été utilisées. Là, cette fois-ci, nous avons des blessés, ce qui est fâcheux. Je pense qu'il y a toujours des rivalités entre bandes pour des motifs qui sont divers et variés et que suivant les contentieux, on peut arriver à des extrémités qui sont assez fortes mais heureusement relativement rares. Une enquête judiciaire est actuellement menée afin de retrouver les auteurs des coups de feu. Pour éviter d'autres troubles, les effectifs policiers ont été renforcés sur le terrain.